Bonjour, je m'appelle Ryan Zézé, j'ai 25 ans, je suis athlète de haut niveau en équipe de France. J'ai commencé l'athlétisme il y a 9 ans maintenant. J'ai commencé en Normandie, j'ai suivi au Crèche de Boulouris ici, du coup comme à la maison. Et maintenant je suis actuellement aux États-Unis. J'ai vécu les Jeux de Tokyo en famille. Du coup en famille, j'étais avec mon grand frère, du coup c'était une expérience inoubliable on va dire. C'est les premiers Jeux, fallait commencer par là. On est sorti en série, malheureusement en 4 fois 100 mètres. Mais on a pris l'expérience et on revient plus mature. Maintenant, une autre porte s'ouvre, les Jeux de Paris. Et c'est là qui sont les plus importants, on va chercher quelque chose de plus grand. Ouais, je suis resté 5 ans au Crèche de Boulouris, 5 ans avec Laurence Billy. C'était des années où j'ai beaucoup appris, j'ai pris en maturité. Et franchement, c'est le Krebs qui m'a permis d'avoir confiance en moi. D'avoir confiance en moi, j'étais un garçon qui n'avait pas forcément confiance en moi. J'étais forcément un garçon qui regardait un peu partout, qui regardait les autres faire, etc. Au final, j'ai appris à grandir. Le Krebs m'a ouvert des portes avec mon BTS, avec du travail. En fait, j'ai vraiment vécu une belle vie ici et je le remercie énormément. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'espère juste voir mes parents dans la foule. J'espère voir mes parents dans la foule et toutes les personnes qui me supportent au quotidien. Et c'est, on va dire que Paris 2024, c'est un objectif grand et aussi de la reconnaissance par rapport à toutes les personnes qui ont collaboré à mon projet, on va dire. Obligatoirement. Obligatoirement, on a passé un cap. Du coup, on doit respecter la hiérarchie et respecter le travail qui a été mis en place jusqu'à là. Et l'objectif, c'est aller en finale olympique individuelle et remporter une médaille. Si on le fait, ça va être magnifique. Si on le fait pas, autant se rapprocher au maximum de l'objectif.